Christophe Miqueux, donc militant de la France Insoumise. Donc la caravane rurale Insoumise est passée ce matin à la Réole. C'est un très beau succès. Il y a eu énormément de gens qui sont passés, discutés et qui ont vu que la France Insoumise est un mouvement en fait qui ne se contente pas d'être sur le moment électoral pour défendre les idées qui sont les siennes, hein, mais qui vient aussi les défendre après, avant et après les périodes électorales. Là, ici, on est sur le marché de la Réole. Dans quelques jours, on pourrait être sur le marché de Créon. La semaine prochaine, au marché de Cadillac. Bref, sur toute cette circonscription, le travail de terrain, de fourmi auprès des citoyens qui est fait par les militants de la France Insoumise pour défendre toutes les idées dont on a pu parler, surtout avec la caravane rurale, les questions de lutte contre la pauvreté, de défense des services publics, la mise en valeur de l'agriculture paysanne qu'on souhaite promouvoir pour l'avenir de l'emploi dans ce secteur aussi. L'idée que les transports publics doivent se développer de manière écologique et permettre de désenclaver des territoires comme le nôtre qui manquent souvent d'infrastructures et de transports publics. Voilà. On est venu parler avec les citoyens de toutes ces questions-là et on est très heureux parce qu'il y a vraiment un accueil qui est meilleur de jour en jour et qui est très encourageant pour l'avenir.